What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo curly hair. Tout simplement, je vais vous montrer comment définir ces boucles, comment avoir des boucles bien soigneuses, etc. Donc je vais vous montrer les produits qu'on va utiliser et tout. Let's go. Bon voilà les gars, au bout de la quatrième fois, tout ce qu'on va faire avant de commencer à appliquer les produits, on va mouiller les cheveux, ensuite on va mettre la Natural Cream Shampoo. Let's go. Bon, tu prends tes cheveux comme ceci, tu prends ton robinet et tu mouilles. Ouh, c'est froid. Voilà, là t'as défini tes boucles. Bah, je rigole. Bon, en fait les gars, je vais vous montrer la technique, puisque la meilleure technique pour définir ces boucles, c'est vraiment de à chaque fois tirer les cheveux en arrière. C'est quand tu mets ta crème, tu mets tes produits, c'est vraiment d'appliquer tes cheveux, toujours les tirer en arrière, toujours. Là, ce que je vais faire, ça va être un peu compliqué, parce que j'ai pas de serviette. Tu regardes pas mes coups. Je vais couper ça. Bon, là, on va appliquer la crème shampoo. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un chouïa dans la main. Merde, je crois que j'en ai mis beaucoup là. Hop, et on va appliquer sur les cheveux. Comme j'ai dit, toujours, vraiment, genre, vraiment, toujours appliquer la crème en arrière. C'est ce qui définit les boucles. Damn. Par contre, là, je vais ressembler à... Comment il s'appelle, là, déjà, le... Comment il s'appelle l'acteur avec les cheveux en arrière? Fabrice Eboué. Voilà, même dégaine que lui. Hop. Bon, personnellement, les gars, après ça, ce que je fais... Oh, putain, j'ai du produit dans les yeux. Ce que je fais après ça, c'est j'attends... Même pas quoi, 10-15 secondes. Après, je commence à secouer mes cheveux comme un fou. Ensuite, je rince. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais attendre et je reprends juste après. Voilà, les gars, le moment le plus attendu. Le moment où tu shake tes cheveux. C'est un truc de fou, ça. Par contre, ça donne putain mal de tête. C'est incroyable. Enfin bref, bon, vas-y, let's go. Ouh. Bon, après avoir... secouer ses cheveux comme un fou, on va les rincer, tout simplement on va les rincer. Waouh frère, un truc de ouf. Bon. Bon, les gars, juste après avoir lavé, on va utiliser le deuxième produit qui est apparemment un hydra... Je sais même pas ce que ça veut dire en anglais, hydrating, enfin bref. Cette crème par contre les gars, je vous avoue que je la découvre en même temps que vous. Mais wesh, arrête ça. Bon, on va pas trop en abuser, tu vois, je mets juste ça pour voir ce que ça donne. Et par contre, ça brûle vraiment les yeux. Let's go. Toujours en arrière, moi, les gars, toujours. Genre, vraiment. J'insiste vraiment sur ça, parce que c'est vraiment ce qui définit les boucles, en fait. De appliquer les produits en tirant les cheveux en arrière. Là, ce que je vais utiliser juste après la shampoo et la crème hydratante, c'est qu'on va utiliser la Coconut Curling Cream. En fait, il y en a plusieurs, il y a plusieurs personnes qui essaient d'acheter la crème et ils se trompent. Vous voyez, ils lisent coconut cream, pas coconut curl. Qu'est-ce que je dis là? Oui. Enfin bref, quoi, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas marqué, il faut vraiment qu'il y ait marqué le curl pour définir les boucles, pour la définition des boucles. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Vous voyez un peu ce que ça donne à l'intérieur. Eh, mais en vrai, ça sent grave bon. Ça sent la noix de coco, c'est un truc de fou. Bon, perso, j'en prends avec les deux doigts. Comme ça. Et on applique sur les mains. Et boum. Elle sait que j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. Et là les gars, on va partir sur toujours, vraiment, toujours les cheveux en arrière. Shake my hair, bro. I'm gonna shake my hair. Par contre, attention à toi, le caméra. Tu vas prendre cher. Oh my god. Let's go, baby. Et tu sais que ça me donne des vertiges de faire ça. Wouh.
Bon. Voilà. Là, tu vois, je ressemble à un dindon. Merde, je sais même pas si on me voit encore. Tu vois, n'hésitez pas à secouer genre en mode de... non, 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 et en mode de comme ça aussi. Je dois avoir une tête de fou. Moi, je sais pas si on voit bien, bien, bien. Non, voilà. Mm-hmm. Enfin bref. Bon, guys. Après avoir utilisé la Coconut Curling Cream, on va utiliser le Eiko Gel. Ça, les gars, c'est vraiment un truc de fou. La preuve, je l'ai acheté il y a... J'ai perdu ma voix. J'ai acheté la crème. Oh, tu sais que je l'ai acheté il y a une semaine. Il y a une semaine, littéralement. Je fais rire. Il n'y a plus rien, gros. Je l'ai tué. Bon, du coup, je vais essayer de prendre vraiment c'est ce qui reste. Oh. On voit quelque chose? Ouais. Let's go. Hop, on prend, on applique dans toutes les parties du cheveu. De la chevelure. La chevelure, putain. Et toujours la même chose en arrière. En arrière. Et ce que je fais perso, moi, pour enlever, voyez, la crème blanche, ce que je fais, c'est que j'hésite pas à prendre un petit peu d'eau sur mes cheveux, vu que j'ai pas de spray, en fait, pour, voyez, avec de l'eau. Enfin bref, vous m'avez compris. Je prends de l'eau avec la main, j'applique et je nettoie en arrière. Après avoir ressemblé à Fabrice Eboué, la dernière étape, encore une fois, c'est de secouer ses cheveux. Et ça sera fini, quoi. Let's go, baby. T'es prêt, mec? Ouais. Bon, voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, commenter, tout ce qui va avec. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram. Je compte sur vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao, tout le monde.